Isaac Dumalisenga. Je tiens à préciser qu'il est membre du PCT, et ce qui prouve à suffisance que lorsque nous parlons de la nouvelle majorité républicaine, ça veut dire que le scrutin du 20 mars 2016 a été remporté par la majorité des communes, toutes tendances confondues. Monsieur Isaac Senga, vous avez la parole. Et je vous remercie, Monsieur Guy Mafimba et Monsieur Andrea Ngombe. Je voudrais aussi remercier l'assistance ici présente. Alors, je suis en effet membre du Parti Congolais du Travail, responsable de la Fédération PCT France Europe et celui qui a participé à la mise en place des structures du PCT en France. Et notamment, c'était fait le 21 juin 2014. Bien, donc je connais de quoi je parle et je suis membre du parti depuis des lustres. J'ai même été avec d'autres camarades tels que Boao Charles, membre de la jeunesse de ce parti. Donc ça fait un bon bout de temps que nous sommes dans cette organisation politique que nous recusons aujourd'hui parce que les idéaux de ce parti ont été foulés aux pieds. Et ce parti n'est plus en adéquation avec l'époque, n'est plus en adéquation avec les idéaux du peuple congolais. Tout simplement que c'est un parti qui a loupé sa refondation au moment où il fallait renouveler mentalement et fondamentalement les structures du parti. Il y a eu un échec. Il y a eu le débat entre les refondateurs et les conservateurs. Malheureusement, les conservateurs ont gagné et voilà ce qu'est le parti aujourd'hui. C'est un parti totalement vermoulu, qui est en train de s'effriter, et pour preuve, c'est les futures élections législatives. Il y a une crise grave au sein de ce parti, parce que ceux qui n'ont pas compris qu'ils vont à la soupe au cours de cette élection législative qui se pointe et qui n'est pas réellement annoncée, et ne reviennent pas sur les fondamentaux. Donc je vais faire une démarche à rebours, une démarche récurrente, pour montrer que, avant d'aller aux élections législatives actuelles, il faut revoir qu'est-ce qu'on a dit lors des différents dialogues. Dialogue de Devo, dialogue de Brazzaville, dialogue de Dolizy, dialogue de Diata sur la gouvernance électorale. Rien à ce jour n'est respecté. Donc on a parlé d'une commission électorale indépendante, elle n'est pas mise en place. Et nous sommes amusés par une certaine société civile, des gens qui vont manger, des gens qui voient leurs propres intérêts, ils parlent au nom d'une quelconque société civile. Quand vous les voyez, généralement, c'est des gens qui ont dépassé l'âge de la retraite. Et quand ils ont dépassé l'âge de la retraite politique et dans l'administration, ben, il faut s'accrocher au train de se désigner comme société civile depuis des années, depuis des lustres. Je ne voudrais pas citer des noms, mais vous pouvez regarder la télévision congolaise, vous reconnaîtrez bien ces têtes-là, hein, et ils sont même grands-parents et leurs enfants sont des ministres parfois, voyez-vous. Donc c'est la fameuse société civile congolaise qui vient parler des recommandations des différents dialogues. Qu'à cela ne tienne. Alors, donc il n'y a pas une commission électorale indépendante pour une quelconque élection à Brazzaville, donc on va aller avec les vieux textes. On aura toujours la même commission qui est dirigée par les mêmes qui ont dirigé la dernière élection où nous avons participé parce qu'il fallait, nous avons récusé ces élections, mais il ne fallait pas mener la politique de la chaise vide. Nous sommes allés et nous en tant que membres du parti, aujourd'hui il y a des langues qui se délient et tout le monde le sait, c'est un secret de polichinelle. Nous, PCT, Parti Congolais du Travail, avec notre leader Denis Sassou Nguesso, nous n'avons jamais gagné les dernières élections présidentielles. Ça, il faut le dire, c'est un secret de politique. Tout le monde le sait et ce n'est pas. Il y a une voix qui vient encore de tonner dans le ciel de Paris, le conseiller spécial du président de la République, en la personne de Claude Ernest Ndala, qui vient d'affirmer clairement, nous n'avons pas gagné les élections. Donc, ce qui est encore d'autant plus écœurant, avant-hier, à la télévision congolaise, on nous remet l'anniversaire de la prestation du serment du président de la République. Mais qui trompe qui? Bien, si on repart toujours de façon récurrente dans ma démarche, ou dans notre démarche, nous disons que aujourd'hui, il y a une crise grave. Les gens qui vont aux élections législatives,
Le secrétaire général du Parti Congolais du Travail, en la personne de Jean-Pierre Ngolo, il est député de la première circonscription de Wenze. Et dans cette même circonscription, il y a le conseiller politique du président de la République, Denis Sassou Nguesso, qui est candidat là, dans cette circonscription. Alors, voyez-vous, alors comment va-t-on départager cela? Et on parle d'une majorité présidentielle. Je doute fort qu'il n'y ait pas de... Il y aura une bataille rangée parmi les membres du Parti Congolais du Travail, parmi les membres du Club 2002 et parmi les associations de perspectives sans avenir de Christelle Denis Sassou Nguesso. Voyez-vous? Donc là, alors, il faudrait notre travail. Ce n'est pas de faire de la pédagogie aux journalistes que vous êtes là, mais le relais est difficile. On n'entend que ceux qui sont corrompus. Voilà. Ceux qui sont corrompus, aujourd'hui dans les geôles du Congo-Brazzaville, on a Ndombé Fortuné. Il est emprisonné. Pourquoi? C'est un journaliste. On ne peut pas emprisonner un journaliste. Monsieur Andréa est revenu sur l'emprisonnement d'un avocat, Maître Essou. Mais un avocat ne doit pas être inquiété. Ce sont là des critères qui font une démocratie. Et il y a des leaders politiques, notamment Okombi Salissa, qui est déjà 4 mois d'emprisonnement avant d'être embastillé. Dis-moi que Jean-Marie Michel Mokoko est emprisonné, mais au sein du Parti Congolais du Travail, personne. Lors de la dernière session du comité central du Parti Congolais du Travail, on ne peut même pas soulever ces questions-là. C'est difficile et on va commémorer la mémoire de Marie Ngouabi. Mais c'est pas possible, c'est des choses qu'on ne peut pas accepter, même si on n'était pas en démocratie. Mais il y avait une forme de démocratie au sein du Parti Congolais du Travail, malgré les crises et des remises en cause. Et la première grande remise en cause du Parti Congolais du Travail, c'est lors de la déclaration du 12-12-75, où Marie Ngouabi se rendant compte qu'ils étaient plus capables en mesure de diriger le Congo et d'aller vers l'option socialiste prédéfinie, on a remis en cause le comité central. D'où la crise à la mise en place d'une structure d'état-major spécial révolutionnaire. Donc aujourd'hui, le comité central du Parti Congolais du Travail est totalement infiltré par des éléments lorsqu'on a dit « bon, on va faire la refondation du parti, on va appeler notre association », mais des gens qui sont venus, des associations diverses, c'est eux qui constituent la base et qui bloquent le comité central du Parti Congolais du Travail. Et une crise au sein du secrétariat permanent, il faut le dénoncer. Le camarade, j'appelle camarade parce que ça reste encore un camarade, que le secrétaire général Pierre Ngolo l'a dit. Et c'est une crise ouverte, voyez-vous, au sein de cette organisation. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de majorité présidentielle. Il y a un clan qui dirige et les Congolais sont conscients de cela. Et nous sommes en phase avec nos camarades qui sont à Brazzaville, notamment Charles Boao, mais tous les autres qui sont emprisonnés. Il n'y a pas que des prisonniers dans les geôles, mais il y a des gens qui sont en prison à ciel ouvert. Voilà la situation exacte du Congo-Brazzaville. Mais qu'est-ce qu'on peut demander à un peuple lorsqu'il a rejeté dans les urnes ceux qui dirigent aujourd'hui? Qu'il aille de devenir martyr? Et nous avons, comme l'a dit Andrea, le faux problème du poule. La crise du poule, c'est une crise nationale de l'échec des élections. C'est là, et voilà pourquoi nous autres là, membres du Parti Congolais du Travail, canal historique, nous marquons notre rupture. Nous avons marqué notre rupture le 17 octobre à la place Venezuela, où nous étions avec notre ancien de membres du Parti Congolais du Travail. Nous disons non, nous n'allons pas dans ce sens-là, parce que au cours de la session de décembre 2014, le comité central du Parti Congolais du Travail avait averti le camarade Denis Sassou Nguesso, je dis camarade, qu'il ne fallait pas s'engager dans cette voie-là. C'était dit de façon diplomatique, mais assez intelligente pour comprendre que le comité central n'était pas en phase avec son président, Denis Sassou Nguesso. Et nous comprenons, nous avons nombreux de nos camarades qui pensent comme nous, compte tenu de la répression qu'il y a à Brazzaville, tout compte tenu de la pression qu'il y a sur nous autres ici en France, parce que nous avons des parents là-bas, ils ne peuvent pas s'exprimer. C'est ça, nous vivons la même situation qu'a vécu le Chili. Donc il y a une chape de plomb sur Brazzaville en ce moment et il faudrait avoir suffisamment de courage et il faut les avoir bien suspendus pour pouvoir s'élever et montrer la différence. Nous avons sorti un premier document, l'appel du 18 juin 2016,
Et nous avons condamné le fait que le Parti congolais de travail est mis en veilleuse. Il fallait que les membres du parti parlent, il fallait que les membres du comité central se décident. Mais malheureusement, la couardise, la peur, l'opportunisme et tous ces facteurs-là font qu'il y a des gens qui ne s'expriment pas. On se regarde à gauche et à droite, on dit je suis d'accord, tout en n'étant pas d'accord dans son fort intérieur. Nous avons également lancé l'appel du 12-12-2016 et nous avons dit qu'il fallait libérer les prisonniers politiques. Première condition pour pouvoir discuter. Il fallait revoir les conditions des différents dialogues pour pouvoir instaurer une vraie démocratie. Et s'il y a tous ces critères-là, nous avons une commission électorale indépendante. Il y a la présomption d'innocence. Tous ceux qui sont emprisonnés n'ont pas été jugés. Mais nous n'accepterons pas cette situation-là. Voilà pourquoi tant que cela, c'est pas la peine que les parents viennent nous faire des pressions pour dire non, vous parlez, est-ce que vous tenez compte de nous? Non. La première liberté, c'est de parler et de se décider, et nous avons choisi. Peu importe ce que ça va nous coûter, nous savons que nous sommes interdits de Brazzaville, mais nous attendrons 19 ans, comme Victor Hugo a attendu à New Jersey, avant de revenir en France lorsque la Troisième République a chuté. J'ai terminé. Alors,